Hello tout le monde, c'est Folken et bienvenue sur votre troisième épisode de notre Let's Play sur Minecraft Story Mode, épisode numéro 2, assemblage requis. Selon moi, ça va être le dernier épisode. J'espère que vous allez bien et j'ai vraiment hâte de savoir la suite et fin de nos aventures sur ce magnifique épisode. Vraiment, où j'ai vraiment la hype, il faut que je dise, il faut que je le dise. Alors, trêve de blabla, qu'est-ce que nous avons fait bien finalement dans l'épisode numéro 2? Eh bien, nous avons enfin retrouvé Elegart. On a fait la connaissance aussi de Magnus. Et je vous rappelle que nous devions localiser Soren, le dernier membre, avec Gabriel de l'Ordre de la Pierre. Allez, c'est parti, on va parler un petit peu au personnage. On va parler à Lucas d'abord. How are you holding up, Lucas? I'm all right. This has all been pretty intense. I feel like if I think too much about what's been going on, well, I'll just think I'm completely... Moi, je pense qu'il faut le mettre en avant. Always gotten along the best in the past, but you've been so great. Wow. That means a lot, Jesse. Thank you. Hey, Magnus. Hey, Small Fry. No shame in admitting you can't turn that thing on. It's very, very sophisticated. I'm going. I know what I'm doing. Je l'aime pas trop, Magnus, hein, je dois vous l'avouer, je trouve qu'il se la pète beaucoup. Hein. Hey, Axel, how are you doing? I'm hanging out with Magnus. I'm doing awesome. Glad to hear it, buddy. On va parler à Petra pour voir si elle va bien, bien sûr. How are you, Petra? Fine. Oh là. You okay? We can talk about it later. Let's just do this map for now. Ruben, on peut pas parler. Alors, Elegart. Elegart. Hello, Elegart. You said you know how to activate the map? I'm very curious to see it. I've never actually seen it work before. Eh bien, on y va sur ce pas. Il y a pas un... Ah, si, il y a Olivia. Hey, Olivia, you okay? I'm all right. Can't shake the feeling that I embarrassed myself back in Redstonia. Je suis un peu d'accord. I think she kind of judges me a little bit. It'll be okay. I hope you're right. Ok, on a parlé à tous les personnages, donc je pense que maintenant on va aller localiser Soren. Ok, c'est parti. On a tout fait ici. On va faire le tour. Par la gauche, alors si je peux pas sur la droite. Voilà, c'est bien ça. Alors juste par contre, il n'y a rien d'autre par là. Non. Alors on y va. Je suis fan. J'aime beaucoup. Alors là, ça va être encore un petit peu en tâtonnant. Hein. On va bien voir. All right, there's your light. My light. That's new. There he is. Soren had his fortress deep inside the mountains. After the Order broke up, that's where he went to keep doing his experiments. Look, he invited me there a couple times, but it always seemed a little... Weird, right? It always seemed a little weird. Glad we can agree on that, at any rate. I mean, I never actually went there with him. That's probably the only time you made the right call. So he'll help us, right? Faut se sentir solidaire. Voilà. Wow. It didn't do that before. Are you sure it's working? Bleu? Gabriel peut-être? Blue? That's Ivor. Ivor? Ivor is going to Soren's. We need to move. Not too far, we could probably make it on foot. Righteous! We'll get some rest and head out first thing in the morning, avoiding all the nighttime and monsters and everything. If you had seen that monster, you wouldn't be saying that. We need to leave now. I think it's following us, Magnus, and I don't want to risk it catching up with us. We have to go now. It's so bad that you're gonna just go par expérience, je dirais qu'il faudra attendre demain, hein, sinon, vu que c'est le coucher du soleil, on va avoir tous les ennemis. Hein. Une fois, on va soutenir Magnus.
And he's not usually a big fan of safety. I don't want to risk being outside when it gets dark. We should wait till morning so we can have a full day of sunlight. Jesse here is talking a lot of sense. Let's just go with that plan. You're just saying that because it's your plan, but fine. Okay, everyone, rest up. We'll head out at first light, all right? De rien, notre équipe s'est vachement étoffée. On a beaucoup de membres maintenant. I appreciate you giving us a chance to rest, Jesse. I hate to admit it, but I needed this. Yo, we haven't really gotten the chance to chat yet. Oh, hello. So, you're Ellie's protege. She's a piece of work, isn't she? Always thinking about all her redstone stuff. Moi, je la trouvais pas tante, trying to show off how smart she is. Well, I think she's amazing. She's totally gonna help save the world. Oh, so you're one of the... Comment ça, ces gens-là? Anyway, thanks for having my back before. I do appreciate it. De rien, t'inquiète pas. How you liking being the leader of this little pack? I know I haven't been around here long, but... Even I can tell there's some unrest in the ranks. Pour l'instant, on va descendre personne. On forme une superbe équipe. Axel and what's her name? Olivia. Me and my team are the best. We can get through anything. Huh. Wish my gang had that kind of commitment. Hope you're right. Anyway, small fry, let's get some sleep. We've got a long walk ahead of us in the morning. N'importe quoi. I'm not sure how the rest of you are feeling, but I feel fantastic. I think that a little sleep is just what I needed. Alors, faut savoir. Wish I felt as good as you sound. I'm still feeling a little under the weather. Guys? Uh-oh. What I was afraid of. It caught up with us. Holy snack burglars! You weren't kidding. No. Not again. We can hash all that out later, because we got some monsters to fight here, people. Okay. Allez. Allez, on va s'occuper nous des zombies. Je vais prendre ça. Non. Petra n'est pas du tout rassurée. We can make it. Soren's place has got to be just ahead. Come on. Soren really lived down here? It's so far from anyone. Enchanting, isn't it? Yeah, and I'm really not feeling those columns. Ah, come on! It's fine! Look! Woo! Don't fall, okay?
Oh, that is deep. That is very, very deep. Uh-oh. Well, Ben! Hang on, I'm coming! Allez, je vais sauver le cochon, je vais le sauver. Jesse, you okay? That was crazy. Looks like Ruben thought so too. Pourquoi le sol a-t-il bougé? I'm curious why the ground kept moving. So weird. Ah ouais, d'accord. Whoa! Look! What is that? Enderman. Qu'est-ce qu'ils font? What are they doing down there? I'm not sure. But I'm glad we're not a part of it. Je suis d'accord. Come on, we should get out of here. Olivia and the others already went ahead. Wow. This architecture, it's incredible. Looks like the others already swam across. Guess we better catch up. Okay. Oh, be quiet! It's just a pointless building! That's all I'm saying! I mean, look at- Magnus, if an artist painted the inside of your mind, he'd end up with the most extraordinary desert scape paintings. That's it! I'm going! Once again, it falls to me to take care of everything. I'll find this super TNT myself. Oh, no, no, no! You do not get to be the one who walks away! That's it! I'm going! See? I'm walking away too now! Super TNT! Here I come! It's hard to pick glass half full when they keep kicking the glass over. And I thought they were doing so well. Yeah, I wouldn't go that far. On va être franc. Bickering is kind of their deal. But hopefully they'll work things out and get on with the important stuff. What are we gonna do now? Where should we go? Let's figure it out. Ah. Alors, je peux loquer quoi, là? D'accord. Suivre Elegard ou suivre Magnus, en gros. Mais on va parler au personnage avant. This place is a dream come true for Lucas. Look at him, he's loving it. Soren the Builder, Magnus the Rogue, Elegard the Engineer, Gabriel the Warrior. Jesse, isn't this incredible? I can't believe we're actually here. Allez, Axel. I'm glad he came along, even if it did take a bit of persuading. If they made a statue of me, I wouldn't choose that pose. I'd look like this. A big cool place like this? Underground? Weird. On peut parler à Ruben? Non. Alors parlons à Petra. Hey, Petra. Hey. You... okay. Je sais pas ce qu'elle a Petra, mais à mon avis, ça a dû la marquer, hein, cette tempête de weather. Looks like Olivia's working up more plans as usual. Hey, Jesse? Yeah? It's Petra. She... I don't know. Doesn't seem right. I tried asking, but she... Well, maybe she'll talk to you? This super TNT thing feels like such a long shot. Well, we're trusting Elegard on this one, so maybe our chances are better, right? Hmm.
Alors, en gros, on me propose, et on nous propose un choix, en gros, c'est de suivre soit les gardes, soit Magnus. Donc, d'après ce qu'on peut savoir, Elegard est plutôt ingénieur, d'après ce qu'on peut voir. Magnus est plutôt un guerrier, on pourrait dire, d'une certaine manière. Lors de l'épisode numéro 1, nous avions fait le choix, finalement, eh bien, d'aller chercher Elegard. Mais je me dis que là, on doit chercher Soren. Ce qui veut dire qu'on cherche Soren, et j'ai l'impression que, eh bien, tout simplement, Magnus, finalement, le connaît mieux. Et serait peut-être plus en mesure de nous aider à le retrouver. Donc ce que je vous propose, et surtout comme on a plutôt bien sympathisé, même si je ne l'aimais pas au début avec Magnus, je pense qu'on va aller chercher, eh bien, finalement, Soren avec Magnus. Petra, are you okay? I'm sorry. I don't mean to worry you. I've just got something I want to discuss with you in private. Well, let's split up. I feel bad about ditching everyone else, but I just wanted to talk to you about this alone. It's a little tough to talk about. Je te fais confiance. Hey, whatever it is, I trust you. You can tell me. Thanks for being so understanding. You got me away from the Witherstorm, but I'm worried that I didn't get away soon enough. What? Oh, non. Empoisonné par le Wither. It showed up not too long after you saved me. On va demander ce que c'est quand même pour confirmer. What is that? What's wrong with your arm? Do you know what Wither is? The Wither? Of course, we've been... No, Jesse. Just Wither, or Wither sickness, I guess. And I feel like it's just gonna keep getting worse. Well, we're gonna go back and tell the others. We can get help. You can't tell anyone about this. Ah! Creeper! Uh-oh. Grab my hand! Pull you up! Oh non! Non, 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 non. Jesse! I just couldn't... I'm sorry. Jesse? Are you okay? Va chercher de l'aide. Go and find the others. Hopefully you can find a way to get down to me or something. Okay. I got this. Stay safe. I'll find a way down to you. La tête. Ok. Bon, bah finalement, il est plus long que je pensais. Eh bien, finalement, cet épisode numéro 2. Ok, bah écoutez, hein, on a ramassé l'amulette. Ça va nous faire un petit peu de la lumière, comme on pourrait dire. On avance, on avance, on avance. Hein. Pendant que, eh bien, finalement, Petra est partie chercher de l'aide. Nous, on avance, hein. Je vais essayer de pas tomber, c'est le but. Allez. Y'a rien là sur la gauche? No. On va passer sur la gauche. Hop. Voilà. Bon, ça va, c'est simple. Y'a rien sur les côtés, bah écoutez, on avance, hein. Waouh, c'est beau. Très bien, on en a combien de vidéos? 19 minutes? Pour l'instant, je peux rien faire, hein.
Ok, il y a ça, mais bon. Je peux pas aller sur la gauche. Bah, dirigeons-nous vers la porte, hein, je vois que ça. He must have something useful in here. He has to. Why would he have so many books? Is he just collecting them? C'est Igor. I can't have read all of these. Ivor, pardon. Hey, show yourself. Who's there? You. J'en étais sûr. Trying to interfere with my plans again, I see. Your tenacity is commendable, yet misguided. You found your way in here, so now you may find it back out again. Found the rest of the Order. What good will that do? I'm here with the Order to find Soren's Super TNT. We're gonna take down your Witherstorm. The Order? Believe me, that plan will blow up in their faces in more ways than one. They cannot help you. But me? I choose not to. Out of my way. Move! Non, on a des questions. Wait, but I... Oh, you're not going anywhere. Petra, you escaped? Foolish girl! Shut up. I don't care what you have to say. I'm just gonna take you down. I'm not letting him leave either. Good. Allez. I'm the only one who can stop the Witherstorm! Not you, not the Order! Don't make yourselves the villains in my story. Allez. Yeah. You're not going anywhere. This could have all been avoided. If you want to stop me, you'll have to catch me first! Jesse, look out! You're not getting out of here that easy, Ivor. What? I'm like the wind! Matrix! No, 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 no! Out of here! I'll cut through you if I have to! Don't tempt your fate. On est très lent, mais on peut peut-être le taper. Yeah. La musique, elle est franchement très belle. You could have just let me go. Now you see me. Now you. Oh, une popo d'invisibilité. Ne les laissez pas partir. Whatever you do, don't let him leave. Vanish all you want, slime ball. You're still not going anywhere. What? End of the rail, Ivor. We're not letting you get away with this. This one's on you, you puffed up fool. Yeah. There's no time for this. Jesse! Petra! Even more of you? Will this parade of useless babblers never cease? What's going on? We found Ivor. Stopped him. Jesse did, anyway. False. You have stopped nothing. A query. Have you ever seen the effects of a splash potion of slowness? Magnus and Illagard may think they can stop me, that they can destroy the Witherstorm, but they are mistaken, and it will cost them their lives. Waouh, waouh, c'était génial ce combat. À deux voir la suite. Next time on Minecraft Story Mode.
In pursuit of answers, all our heroes found in Sauron's armory was deceit and treachery. Locked in a dark chamber deep in Sauron's mountain, as the Order of the Stone rides off towards near certain doom, our heroes must ask themselves, would they find a way out of this dark tomb? Is there any way to cure Petra's wither sickness? Would they find a way to defeat the Witherstorm? Or would they remain trapped as it continues its ravenous rampage across the entire world? Only time will tell. Waouh, ça s'annonce lourd, ça s'annonce vraiment, et ça annonce du lourd, du lourd, du lourd. Ok, vous ferez bien, vous allez le relais. Ok. Assemblage requis, d'accord. Bon bah j'ai l'impression qu'on a fait plus ou moins les choix que la communauté finalement a fait le plus. Hein. Très bien. Bah écoutez, on continue. Ok les amis, bah écoutez, cet épisode numéro 2, assemblage requis, est finalement, eh bien, terminé. En tout cas, moi ça m'a fait beaucoup plaisir. Je ferai peut-être juste un petit point noir, c'est la durée de vie qui a été finalement de 3 épisodes contre 5 pour l'Ordre de la Pierre, donc le premier épisode. Ça m'a beaucoup plu, j'espère vraiment et bien finalement que déjà Petra va s'en sortir au niveau de sa maladie du Ghast, hein, tout simplement, pas du Ghast, du Wither, pardon. J'espère finalement et bien que Elegard et Magnus vont enfin se réconcilier et qu'on va trouver enfin aussi la TNT et bien de Sauren, hein. Je pense que ça va être la trame scénaristique de l'épisode numéro 3. En tout cas, merci vraiment pour vos commentaires, merci pour vos pouces, merci pour tout. Comme d'habitude, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. On va rester quand même ensemble jusqu'à la fin, eh bien, générique de fin, vous voyez ce que je veux dire? Bref, je suis vraiment content, vraiment, de vous proposer ce Minecraft Story Mode. Comme je vous l'avais annoncé, eh bien, finalement, Minecraft, je suis pas franchement un partisan. Mais là, quand c'est mêlé avec finalement un mode histoire à la sauce de Telltale avec des choix, des QTE, et finalement le scénario est bon, hein, et voilà, et surtout pour les crafts qui nous aident, bien franchement ça me fait super plaisir. En tout cas, j'espère vraiment que vous regarderez l'épisode 3 qui sortira, je l'espère vraiment, cette fois dès la sortie. Pour les personnes qui découvrent eh bien finalement mes vidéos, eh bien n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos, d'autres séries qui sont en ce moment, comme Halo 5 ou Rise of Tomb Raider, ou bien encore Alan Wake. En tout cas, moi, je vous fais plein de bisous. On va pas encore se laisser. Mais franchement, bah voilà. J'espère que ça vous aura plu. Encore, j'ai l'impression de meubler. Voilà, j'attends juste la fin du générique, vous voyez. Mais honnêtement, ça me fait super plaisir. Et dites-moi en commentaire si ça vous fait plaisir, justement, que je découpe, chaque épisode, enfin, le gros épisode, en plusieurs parties. Comme ça, eh bien, finalement, ça vous fait pas trop long à regarder au niveau des vidéos. Voilà, parce que je sais qu'il y a des personnes qui, comme Sifano par exemple, qui font les vidéos d'une traite, hein, genre une vidéo d'une heure, 1h30. Moi, c'est pas trop ce que je préfère. Donc dites-moi dans les commentaires si, honnêtement, ça vous fait plaisir, honnêtement, ce genre de découpage. Qu'est-ce que je peux vous dire? Minecraft, pourquoi pas finalement se mettre bientôt sur une série solo vanilla, mais pourquoi pas sur une série multijoueur, sur une map qui pourrait me plaire, genre Halo ou Kingdom Hearts par exemple. Ou alors peut-être une série qui pourrait se faire prochainement, je n'en dis pas plus, sur quelque chose où il faudrait réfléchir. En tout cas, j'ai vraiment envie de tester l'opération, parce que finalement j'étais fermé à Minecraft et je me dis que il faut quand même essayer. Bon, j'ai pas envie de tomber sous l'overdose, hein, surtout avec les UHR run, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, hein. Tout ce qui se trame, cette overdose qu'on a sur le PVP, etc., etc. En tout cas, Minecraft, finalement, pour moi, eh bien, ça commence à devenir une bonne série. Je parle du story mode, on est bien d'accord. Et la saga Minecraft, le jeu Minecraft, je commence peut-être à être plus ouvert qu'avant. Je ne vous le cache pas. Bref, en tout cas, on se retrouvera. Eh bien, écoutez, je ne sais pas quand l'épisode 3 sortira. J'espère qu'en tout cas,
Eh bien, il sortira assez rapidement finalement. Sinon, bah écoutez, il va falloir patienter. Mais bon, c'est comme ça, hein. Il faut, vous le savez que le jeu est découpé finalement en plusieurs parties. Et qu'il faut patienter le temps que ça soit traduit, etc., etc. Et je dois avouer quand même qu'une chose, c'est qu'on n'attend vraiment pas entre les sorties et tout simplement la VOSTFR. Et pour ça, franchement, je dis GG à Telltale. Voilà, voilà. En tout cas, franchement, les musiques sont toujours aussi sympathiques. J'espère vraiment que ça va continuer dans ce bon sens, qu'on va avoir encore de bonnes surprises. Et moi, eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. On en arrive à la fin de ce générique. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour l'épisode numéro 3. C'était Folken sur le deuxième épisode de Minecraft Story Mode. Ciao tout le monde. Bye bye.